Une gauche moderne, régionaliste. Voilà comment se présente la liste menée par Jean-Charles Orsucci et Vanina Pieri. Pour la Corse à cœur, au-delà des programmes de chacun, le défi de cette élection territoriale est de rompre avec la gestion politique traditionnelle de l'île. Faire en sorte que la Corse change dans sa façon clientéliste et claniste de fonctionner. Il faut passer à autre chose parce que cette façon de fonctionner amène, je dirais, à l'absence de priorité. Or, la Corse aujourd'hui a besoin de priorité pour réussir. C'est pour ça qu'il faut changer cette façon de fonctionner au sein de la collectivité territoriale de Corse. Je crois que c'est l'enjeu majeur de décembre 2015. Autre argument phare, faire de la Corse un territoire d'excellence, notamment avec le développement du tourisme. Aujourd'hui, la meilleure façon pour nous, c'est d'être finalement nous-mêmes, de prôner ce tourisme identitaire tout au long de l'année, avec un étalement à la fois de la saison, mais aussi sur l'ensemble des territoires. Alors vous me direz comment ? La réponse est avant tout par le transport, au-delà de l'offre touristique. Et c'est pour ça que nous avons négocié une dérogation européenne pour ouvrir le ciel de la Corse à toutes les capitales européennes. Selon un sondage OpinionWay publié hier, la liste La Corse à cœur est créditée de 4% des intentions de vote au soir du premier tour.